Famille et amis sont réunis aux alentours de 15 h au cimetière du Père-Lachaise à Paris, ce 30 juin, pour rendre un ultime hommage à Françoise Hardy. En cette triste après-midi, au milieu de centaines de fans endeuillés, Thomas Dutronc et son papa Jacques Dutronc, accompagnés de sa nouvelle compagne pour l'occasion, ont fait leur arrivée peu avant la cérémonie. Un autre homme ayant eu une place toute particulière dans le cœur de Françoise Hardy était parmi les nombreux invités. Le photographe Jean-Marie Perrier, qui a vécu une idylle passionnée avec la chanteuse de 63 à 67, n'a pas pu cacher sa peine. Dès que le cercueil est arrivé à la coupole, dont les marches étaient recouvertes de magnolia blanc, une pluie d'applaudissements a retenti dans le cimetière.